Cinewebradio.com. Interview. 2011, on y est. Quels sont les blockbusters les plus attendus par les 15-25 ans? MSN a fait réaliser par Médiamétrie un sondage pour savoir quel film vous attendiez le plus. 20 blockbusters. Pour nous en parler, Thomas Nirsch, directeur du portail MSN France. 2011 sera un peu l'année des fantastiques et des grandes forces, puisqu'on va retrouver des grandes licences comme Harry Potter, Twilight, Transformers ou Tron. Peu de comédies finalement, on n'a que 3 comédies dans le top 20 cette année, dont une comédie française qui n'a rien à déclarer, et Very Bad Trip 2 et Six Friends. Alors nous en fait on va être partenaire déjà sur le top 10 des 7 plus grands films les plus attendus. Nous serons en fait partenaires de Tron, de Pirates des Caraïbes, de Transformers, de Rien à déclarer, etc. De Twilight. Donc 4 partenaires, déjà c'est alors... fait une sélection sur l'ensemble des films qui vont arriver en 2011 et d'essayer de proposer à nos internautes de voir en exclusivité les bandes annonces, toutes les exclusivités qu'on peut avoir sur un film. Donc ça peut être des interviews, les trailers, tout ce qui peut donner un avant-goût, on va dire, au film en question. Alors non seulement effectivement on a quelques coups de cœur, mais on a pu visionner certains de ces films en avant-première. Personnellement, il y a Tron Legacy, alors c'est très personnel, mais ça rappelle les années 80, avec le premier épisode de Tron. Tron Legacy qui va donc sortir et qui, à mon sens, est un petit bijou. Évidemment, après, il y a les grosses mécaniques comme Harry Potter et Twilight qui trustent les places depuis maintenant quelques années. Tous les deux ans, à peu près, il y a une nouvelle série qui sort. Pour ces deux-là, c'est un peu la fin, puisque on touche un petit peu au but. Sur ces deux licences. Et puis après, il y a des films qui ont très bien fonctionné les années précédentes, comme Kung Fu Panda. Il y a les deux qui sortent bientôt. Quand même, un gros focus cette année sur ce qui va être spectaculaire, films fantastiques, science-fiction. Donc, pas mal trusté, on va dire, le hit parade. Et tout le détail sur cette enquête sur msn.fr. Le lien est évidemment sur cinewebradio.com.